Voilà, alors si vous le voulez bien, maintenant nous allons passer à l'autre volet à la fois de mon enseignement et de mes recherches, c'est-à-dire le volet de sociologie des religions. Et là, il me semble que je peux subdiviser cela en trois sous-thèmes. Tout d'abord, la situation religieuse en Belgique, ça veut dire essentiellement, quasi exclusivement, une étude du catholicisme et de ses transformations, de son déclin. C'est aussi le fonctionnement de l'institution et le problème de la démocratie dans l'Église, où aussi avec Jean Remy, on a travaillé, qui est toujours une question très fortement d'actualité, bien entendu. Et le troisième thème, qui est sans doute pour moi le plus important, celui sur lequel j'ai le plus produit, je crois, celui sur lequel j'écris toujours, parce que c'est dans ce domaine-là que l'on me demande encore beaucoup d'intervenir, c'est tout ce qui concerne la religion populaire. Alors, je dois dire aussi que ces recherches sur le religieux ont été alimentées par mes cours en sociologie des religions, aussi bien mes cours à la faculté de théologie que dans les différents séminaires de francophones de Belgique. Et mon problème était de faire comprendre à ces étudiants les caractéristiques de la société contemporaine, une société contemporaine que dans l'Église on vouait aux gémonies en disant « cette société éloigne les gens du religieux ». Et moi, il me semblait que c'était, qu'il y avait fait effectivement un problème pour l'Église catholique, mais que l'Église catholique manquait totalement de compréhension et ne faisait pas d'efforts pour essayer de comprendre la société. Il y avait un jugement négatif. Mais essayer de comprendre ça, ça ne les effleurait pas, je dois dire. Donc comprendre cette société et aussi donner à ces futurs clercs des outils d'analyse pour, mais alors là, ça sortait de mon champ de compétences, pour les aider à mieux comprendre cette société et aussi éventuellement à agir, et notamment leur agir pastoral, hein. Mais ça, ce n'est pas de mon ressort. Moi, je ne suis pas un clerc, je ne suis pas là pour faire de la pastorale, mais je voulais leur expliquer comment ça fonctionnait et leur montrer ce qui posait problème aux gens face à cette Église institutionnelle. Et donc là, je crois qu'effectivement, un des points importants, c'est de bien différencier l'institution Église et puis les pratiques des gens et ce que les gens pensent du religieux. Ce sont des choses qui sont totalement différentes. Et dans mes cours, aussi bien en faculté de théologie que dans les séminaires, je leur donnais toujours, il y avait deux volets dans mes cours, je leur parlais des différents auteurs qui avaient traité de la religion, de Marx, Durkheim, Max Weber et d'autres encore, plus contemporains. Et puis, je leur donnais les caractéristiques de la société d'Europe occidentale aujourd'hui. Oui, pour le dire très largement, la Belgique ayant les mêmes caractéristiques que la France, par exemple, plus ou moins, il y a des nuances, mais grosso modo, c'est le même schéma. C'est pour ça que je dis de la société européenne occidentale. Alors, le premier thème dont je vais évoquer, c'est la situation religieuse de la Belgique en matière de catholicisme. Il y a d'abord eu ma thèse, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était la pratique religieuse et l'explication que j'ai essayé de trouver au constat que je pouvais faire. Et puis, il y a deux livres, je ne vais pas les donner dans l'ordre chronologique, mais plutôt dans un ordre logique. Il y a eu « La Belgique et les dieux », « La Belgique et ses dieux », dont Carole et moi avons pris l'initiative à l'occasion de la visite du pape en Belgique en 1985. À ce moment-là, nous nous sommes dit, tiens, ce serait intéressant de voir quelles sont les différentes religions en Belgique, d'où l'idée de la Belgique et ses dieux. Hein. On a demandé à des collègues spécialisés dans le protestantisme, l'orthodoxie, le judaïsme, etc.,
aussi l'islam, mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore tellement de musulmans en Belgique, et donc on n'a pas porté beaucoup d'intérêt. Il y a un article, mais ça se limite à ça. Ce n'est qu'un peu plus tard, un peu plus tard, que dans notre centre, Felice d'Aceto s'est intéressé à l'islam et a créé un centre de recherche sur l'islam qui fonctionne évidemment très bien aujourd'hui, étant donné l'actualité, et qui est vraiment à l'initiative, je crois, des études belges sur l'islam et d'un programme à l'Université de Louvain sur l'islam. Donc je crois que c'était vraiment très important. Mais quand on a fait la Belgique et les dieux, l'islam, c'était vraiment insignifiant, quantitativement parlant. Il y avait très peu de musulmans. Et d'autre part, on ne s'y intéressait pas beaucoup parce qu'on était dans une période de pacifisme religieux, donc ça n'avait pas tellement d'intérêt. Nous avons aussi, et je crois que c'est important pour bien comprendre la Belgique, je ne sais pas si vous savez, mais en Belgique, il y a une loi qui... Enfin, les religions sont reconnues par la loi, et il y a 7 religions, le catholicisme, le protestantisme, l'anglicanisme, l'orthodoxie, le judaïsme, l'islam, qui sont reconnues comme religion, et ça veut donc dire financées par l'État, hein. Mais il y a aussi, et ça horrifie toujours les Français, il y a ce qu'on appelle en Belgique la laïcité organisée, c'est-à-dire, en gros, les loges, hein, les francs-maçons. Donc c'est bien la laïcité organisée, c'est pas... Et en Belgique, la laïcité organisée est considérée comme une religion, par la loi, hein, financée par la loi. Vous pouvez imaginer comment les Français sont... absolument, trouve ça tout à fait horrible, évidemment. Mais ici, bah oui, c'est comme ça. Hein. Tous les laïcs ne sont pas d'accord, mais en attendant, c'est ainsi. Donc on voulait aussi un chapitre sur la laïcité organisée, puisque c'est dans le panorama des religions en Belgique, si je peux le dire comme ça. Et dans la Belgique et ses dieux, nous avons aussi accordé, mais Carole vous en parlera prochainement, nous avons aussi accordé une importance assez grande à ce qu'on appelle les piliers. Je ne sais pas si vous savez, mais en Belgique, il y a une structuration du monde idéologique et politique en 3 piliers. Hein. Si je le dessine, vous avez le pilier... catholique, le pilier socialiste, ils sont à peu près équivalents l'un à l'autre, et puis plus petit, le pilier libéral. Et dans ce pilier, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, du côté catholique, vous avez évidemment le catholicisme comme référence idéologique, et du côté du pilier socialiste et libéral, c'est plutôt, oui, la libre pensée, hein. Donc ça, c'est la libre pensée, là, c'est le catholicisme. Et dans ces piliers, qu'est-ce que vous trouvez? Eh bien, vous trouvez les écoles. Il faut savoir qu'en Belgique, les écoles catholiques, c'est grosso modo, et ça varie un peu selon les niveaux, mais en gros, c'est la moitié des écoles du pays, hein, de la population scolaire. Vous avez les hôpitaux, vous avez un syndicat, vous avez des mouvements de jeunes et d'adultes. Vous aviez, maintenant c'est moins clair, mais vous aviez des banques. Il y a la presse, des organes de presse, et puis il y a un parti politique, hein, un parti politique qui maintenant ne fait même plus référence au catholicisme dans la partie francophone du pays, mais bien dans la partie flamande. Du côté du pilier socialiste, c'est évidemment le parti socialiste, et du côté du parti libéral, c'est évidemment le parti libéral, maintenant le mouvement, le MR, hein, mouvement réformateur. Donc c'est une structure qui s'est fortement affaiblie, mais qui culturellement fonctionne quand même encore relativement. On a des réseaux de relations, on a des connivences qui se réfèrent aux piliers, même si institutionnellement, ça a beaucoup fléchi. Mais enfin, il y a là un soubassement qui reste malgré tout, je vais dire, dans l'inconscient de la population belge. Et donc, il y a plusieurs articles sur le pilier, mais Carole vous parlera de cela plus tard, parce qu'il a davantage travaillé que moi sur ces questions. Un deuxième ouvrage que je veux citer rapidement, c'est ici « Figure des dieux », qui est un ouvrage beaucoup plus récent que
dont je suis l'éditeur et que j'ai voulu sortir pour l'émérita de Jean Remy, comme j'avais sorti en sociologie urbaine, Ville et transactions sociales. Et là, de nouveau, on a essayé de brosser un tableau de différentes orientations religieuses en Belgique et ailleurs, parce qu'ici, il y a des anciens étudiants de Jean, mais il y a aussi des collègues qui ont contribué à cet ouvrage. Et puis, la deuxième chose à laquelle nous avons collaboré, c'est à l'enquête européenne sur les valeurs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'enquête européenne sur les valeurs. C'est une grande enquête internationale qui a commencé à être réalisée dans quelques pays, à l'initiative d'ailleurs d'un jésuite belge, Jan Kerkhoffs, qui était l'aumônier des patrons européens et qui donc, à partir de là, pouvait récolter des finances pour payer des études. On a commencé petit, par quelques pays d'Europe occidentale, et puis je crois que maintenant il y a une cinquantaine de pays qui participent à cette enquête européenne, qui a lieu en gros tous les 10 ans, et qui reprend tous les 10 ans les mêmes questions. Hein. Et Carole a été impliquée dans les 4 enquêtes, moi dans les 3 dernières, c'est-à-dire en 90, en 2000 et en 2009-2010. Et ça, ce sont les 3 ouvrages qui ont été produits dans cette enquête européenne sur les valeurs, qui traite de quelques domaines très importants: la famille, le travail, les amis et les loisirs, le politique et le religieux. Donc comment, et ça au niveau de tous les pays, comment cela se présente-t-il dans les différents pays et aux différents moments. Alors, Carole et moi, dans ces enquêtes, nous avons été responsables, avec d'autres, de l'édition des ouvrages, et nous avons réalisé les chapitres sur la religion, bien sûr. C'est évidemment très intéressant, ces enquêtes européennes, parce que dans la mesure où il y a les mêmes questions qui reviennent maintenant depuis 40 ans et plus, on peut voir une évolution dans le temps. Donc on peut voir comment ces différents domaines évoluent, comment les Européens se situent face à ces thèmes, hein, famille, etc. Et c'est aussi très intéressant dans la mesure où ça permet les comparaisons internationales. Donc ça a des atouts extrêmement importants. Mais nous trouvons maintenant que Carole et moi, en tout cas, mais nous ne sommes pas les seuls, nous trouvons que c'est assez statique. Ces enquêtes ont les inconvénients de leurs avantages. C'est le même questionnaire qui est plus ou moins, il y a quelques variantes, mais secondaires. Donc, on peut voir l'évolution, mais d'autre part, on ne repère pas les choses émergentes. Hein, on ne repère pas ce qui est en train de surgir, parce qu'il n'y a pas de question autour de ça. Hein, et ça demande une toute autre méthode. Les enquêtes européennes sur les valeurs, on a des méthodes quantitatives, on compte. Hein, on a un questionnaire fixe et on compte. Si vous voulez voir ce qui est en train d'émerger, vous ne pouvez pas compter, ça ne se compte pas. Hein, vous devez aller le repérer par des recherches de type clinique. Hein, des interviews, des choses de genre, mais pas à travers ça. Donc, sans doute, on va continuer cette enquête, on va continuer à la faire. Je ne sais pas si nous y participerons encore, parce que nous voulons plutôt faire autre chose maintenant. Mais justement, nous voulons surtout regarder ailleurs. Hein. Et notre première tentative pour cela est issu d'un hasard. Encore une fois, le hasard parfois fait bien les choses. Nous étions à Madrid, car elle avait été invitée par Alfonso Pérez Agot, qui est professeur de sociologie à la Université Complutense de Madrid, et car elle avait été invitée à faire une conférence sur la sécularisation, bien sûr, ça nous poursuit. Et en discutant un jour midi avec nous trois, Pérez Agot, Carole et moi, on a parlé justement des enquêtes européennes sur les valeurs et on a dit oui, mais bon, on compte, et si on prend la religion, ben, on voit que le catholicisme perd du terrain partout, dans tous nos pays, grosso modo dans tous nos pays d'Europe occidentale.
Donc on tourne un peu en rond là-dedans. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de faire autre chose, hein, de s'orienter autrement? Et donc ça a un peu mijoté dans nos têtes. Et on a aussi dit à ce moment-là, par exemple, c'était un moment où il y avait beaucoup de lois dans plusieurs pays d'Europe occidentale, de lois qui apparaissaient en matière éthique. Hein, la vie, la mort, la famille, des domaines qui étaient jusque-là considérés comme la chasse gardée de l'Église. Hein, les questions morales, c'était l'Église, la vie, la mort, la famille, bon, ça, c'est l'Église. Hein, bon. Et puis voilà que les États produisaient des lois et que ces questions sortaient du domaine de compétence des Églises. Elles n'ont d'ailleurs pas nécessairement trouvé la chose très plaisante. Et donc cette idée a un peu mijoté dans nos trois esprits, et Pérez Agote a trouvé un financement en Espagne pour financer la recherche. Et nous avons alors décidé de faire ça dans les cinq pays considérés comme les pays traditionnellement catholiques d'Europe occidentale, c'est-à-dire la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Nous n'avons pas retenu l'Irlande, qui est aussi évidemment un pays catholique, mais parce que la situation en Irlande était et reste encore beaucoup plus dure, beaucoup plus crispée que dans nos pays d'Europe continentale. Et nous n'avons pas pris la Pologne, parce que la Pologne sortait du communisme, et donc c'était extrêmement différent. Donc on voulait se concentrer sur des pays ayant... évidemment avec d'énormes différences, mais en même temps, grosso modo, un même parcours, quoi. Donc, on a retenu ces cinq pays et on a constitué une équipe. Et avec des chercheurs des cinq pays, on a formé ce que nous avons appelé le GERIC, c'est-à-dire le groupe d'études et de recherche internationale sur le changement religieux. Et donc, notre projet était de faire des recherches sur les lois en matière éthique et de voir la réaction de l'Église catholique face à ces lois. Mais nous nous sommes très vite rendus compte que pour traiter de manière la plus intelligente possible de ces questions éthiques, c'était important de connaître la situation du catholicisme dans ces cinq pays, parce que chacun d'entre nous connaissait la situation dans son pays, mais ne connaissait pas vraiment ce qui se passait dans les quatre autres. Donc on s'est dit, si on veut comparer les réactions de l'Église catholique à ces lois, on doit d'abord faire les portraits du catholicisme dans les cinq pays. Donc nous avons produit un premier ouvrage qui s'appelle « Portrait du catholicisme » qui a été édité aux presses universitaires de Rennes. Et donc là, c'est vraiment la description de la situation actuelle du catholicisme dans les cinq pays en question. Donc vraiment des portraits, le titre dit bien ce qu'il veut dire. Et cela nous a permis d'aborder les questions et les lois éthiques de manière plus sérieuse et plus compréhensive, si vous voulez, puisqu'on savait sur quelle toile de fond ces lois éthiques surgissaient. Et alors nous avons commencé à travailler sur les questions éthiques. Et chaque pays a alors choisi son... le thème qui lui paraissait le plus d'actualité par rapport à la situation dans son pays. On a eu la France et le Portugal ont choisi le mariage pour tous. C'était au moment de la grande manifestation en France. Portugal, c'était aussi une question délicate. L'Espagne a pris l'avortement, ce qui montre déjà comment l'Espagne, je vais dire, était en retard sur les autres pays, puisque la loi sur l'avortement, elle existait ailleurs, mais pas encore en Espagne. L'Italie a choisi l'insémination artificielle et nous avons pris l'euthanasie. L'euthanasie, pourquoi ? En effet, il y a en Belgique une loi sur l'euthanasie depuis 2002, mais au moment où nous avons travaillé sur ces questions-là, la question était fortement relancée pour deux raisons. Tout d'abord, parce que la loi existante mettait des limites à ce qui était possible en la matière, notamment des limites concernant les enfants et des limites concernant les personnes psychiquement perturbées.
Et donc, à un moment donné, certains ont dit, oui, mais on va élargir la loi, donc ça va concerner aussi des enfants, et cela va concerner les personnes déficientes mentales. Donc, il y avait une relance de la polémique, et puis un incident, si je peux l'appeler comme ça, qui paraît anecdotique, mais qui a joué très fort dans les rebondissements dans le débat sur l'euthanasie. Ça a été l'euthanasie du plus grand écrivain flamand, Hugo Claus, qui a demandé l'euthanasie alors qu'il n'était pas dans les conditions légales et qui a été euthanasié, sur quoi le cardinal a violemment réagi. Un ami de Claus, un laïc acharné, a contre-réagi. Donc, ça a fait... Tous les journaux, on était pleins, si vous voulez. Donc, c'était vraiment au cœur de l'actualité au moment où nous avons fait ça. Et c'est la raison pour laquelle nous avons repris l'euthanasie alors que la loi existait déjà. Et je dois dire qu'on continue à débattre aujourd'hui encore sur la question de l'euthanasie et notamment sur ces deux restrictions, les personnes déficientes mentales et les petits-enfants. Et notre question, à Carole et moi, a été de voir quelles étaient les réactions et les stratégies de l'institution face à cette loi sur l'euthanasie. Comment l'Église institutionnelle réagissait-elle face à cette loi qui venait évidemment, un, dans le domaine moral, jusque-là réservé à l'Église, et deux, qui jouait sur la mort, un thème... je vais dire sacro-saint dans les religions, bien entendu, pas seulement dans le catholicisme d'ailleurs. Et nous avons fait une analyse tout d'abord, on a structuré l'ouvrage autour d'une analyse de la loi, quelles en sont les caractéristiques et le contexte d'émergence. Il faut dire qu'à ce moment-là, les partis chrétiens n'étaient pas au pouvoir et que donc les autres partis en ont profité pour faire surgir des lois qui allaient à l'encontre de l'idéologie catholique. On voit très clairement, on a repris ça dans le livre, les votes, quels partis ont voté pour et quels partis ont voté contre. C'était très clair que la démarcation se faisait vraiment entre les partis catholiques et puis les autres, grosso modo. Donc on a regardé ça et puis on a regardé quelles étaient les positions du Vatican face à ces lois, de la conférence épiscopale. Nous avons aussi regardé les réactions des acteurs catholiques organisés, notamment les acteurs du Pilier, le mouvement ouvrier chrétien qui regroupe toute une série d'organisations, les mouvements de jeunes, le syndicat, etc. Donc on est allé voir comment ils réagissaient face à la loi. Et Caritas, qui gère les hôpitaux catholiques, depuis les petits hôpitaux locaux jusqu'aux hôpitaux universitaires. Et donc, nous avons repris tous les documents, en tout cas, tous ceux auxquels on a eu accès, et les débats, notamment dans les universités, autour de cette question de l'euthanasie. Et puis, nous voulions aussi, parce que jusque-là, on restait dans des chiffres, si vous voulez, on comptait les pour et on comptait les contre. Mais ce qui nous intéressait au plus haut point, c'était les arguments. Pourquoi les gens ordinaires, je veux dire, sont-ils pour ou contre l'euthanasie ? On savait très bien que la majorité des gens, en Belgique, mais dans d'autres pays ici, sont favorables à l'euthanasie. On le savait notamment à travers les enquêtes européennes sur les valeurs. Mais on n'avait jamais, on s'était jamais demandé pourquoi les gens étaient pour ou contre. Et ça, c'était ce qui nous intéressait. Alors, nous avons fait une petite enquête. Nous avons demandé à 200 étudiants et à 200 personnes qui suivaient les cours de l'université du troisième âge, donc des personnes âgées, des jeunes et des personnes âgées. On leur a demandé de se positionner sur une grille pour ou contre l'euthanasie, mais aussi d'expliquer pourquoi. Et c'est ça qui était important. Donc ils ont rempli, en notre présence, ils ont rempli une feuille où ils expliquaient les raisons de leur choix pour ou contre. Et ça, c'était évidemment tout à fait passionnant. Quand on regarde, les deux groupes étaient favorables à l'euthanasie, extrêmement favorables. Il y avait 72% chez les
étudiants et 61 chez les personnes âgées. Si on regroupait aussi les deux catégories proches des très favorables, ça donnait 96 chez les étudiants et 81 chez les personnes âgées. Donc c'est énorme, hein, c'est un pourcentage très important. Et les contre, c'était beaucoup moins, une dizaine de pourcents chez les personnes âgées et 2% seulement chez les jeunes. Donc c'était évidemment très, très clair. Et alors les raisons pour lesquelles les gens disaient qu'ils étaient pour ou contre, c'était très peu des raisons de principe. Hein. C'est interdit par l'Église, ou bien je suis maître de moi-même. Hein, donc deux arguments radicalement opposés. Mais c'était surtout des arguments circonstanciels, des arguments pratiques. Hein. Et qu'est-ce qu'on trouvait là-dedans ? On trouvait, ça coûte cher de maintenir des gens en vie. C'est une charge énorme pour la famille qui doit tout le temps s'occuper de personnes gravement malades. Et l'argument majeur, c'était la souffrance. Hein, donc, le refus de la souffrance. Alors ça, c'était très intéressant, parce que dans le catholicisme, la souffrance a toujours été vue comme un moyen de salut. Hein, il faut souffrir pour aller au ciel. Hein. Alors là, non, plus question. Ça, la souffrance, non. On ne peut pas laisser souffrir les gens. Ça, c'était vraiment l'argument décisif. Et ça nous intéressait beaucoup de comprendre pourquoi les gens se positionnaient pour ou contre. Parce que, encore une fois, tant qu'on n'a que les chiffres, c'est de nouveau la même question, tant qu'on n'a que les chiffres, on ne comprend pas bien, et on ne comprend pas bien pourquoi les gens favorables à l'euthanasie sont de plus en plus nombreux. Hein, il faut dire aussi qu'on vit dans une société où la médecine peut vous prolonger quasi indéfiniment, mais dans des situations qui sont tout à fait inhumaines, comme on dit un certain nombre de gens. Donc là, ça a été vraiment pour nous très important de sortir du chiffre, hein, et d'aller sur des questions plus en profondeur, d'essayer de comprendre et pas seulement d'enregistrer des chiffres. Et ça répondait tout à fait à notre préoccupation par rapport à la nécessité de revoir la manière dont on avait jusque-là étudié le phénomène religieux.